Le Canet s'avance le long de la rampe. Voilà son tir. C'est bloqué par Rask. La rondelle a détruit, je pense, avant de l'atteindre. Et là, l'arbitre a été sonné, siffle l'arrêt du jeu. Oui, il a été atteint. Il y a une ganse qui est défaite derrière son masque. Alors, on n'a pas le choix de siffler. C'est très dangereux pour le gardien de but s'il perd son masque protecteur. Donc, on voit tant là. Je pense pas que c'est une blessure. J'ai hâte de voir. C'est peut-être le bâton de Gianta Ferenc devant le filet. On va voir si, tu sais, la rondelle va atteindre pas directement le visage. Le côté du visage de Tuukka Rask, d'un autre angle. Oh. Ouais, la rondelle est allée directement, t'as raison, sur son masque. Son but se lance à 2 contre 2. Entre à gauche, arrive au cercle, tire! Touche le masque de Rask, retourne devant, et Alpern qui rate son tir. Oh! Subban est allé directement avec un tir lourd à la tête du gardien. C'est Pouliot, veut remettre dans l'enclave, c'est raté. Rask est sonné un peu, là. Rondelle revient dans le territoire du Canadien, il se relève, mais il se bouge la tête. Habituellement, les gardiens baissent la tête pour avoir la rondelle, s'ils ont à être frappés par la rondelle, en avant du masque, parce que c'est là que la protection est la meilleure. Sur les côtés, la protection habituellement est moins présente, donc un peu plus déficiente. Et ça, ça rend le masque moins efficace. Alors, lorsqu'il se tourne la tête de côté comme ça et qu'il est frappé, il est probablement un peu plus sonné. Ça fait mal. Oui. Ce match de hockey vous est présenté par Essor, la référence en assurance automobile, habitation et commerciale depuis 50 ans. Essor Assurance au 1-877-88-ESSOR ou essor.ca. Attaque de Pécanet, entre à droite, arrive au cercle, il lance, touche la tête encore, et là, Rask est ébranlé, il a du mal à se relever. Tuukka Rask vient de recevoir la troisième rondelle sur sa tête. Et je veux partager avec les auditeurs qu'il a encore tourné la tête, et il a encore reçu la rondelle sur le côté du visage. Attaque des Browns qui avortent en plein centre de la patinoire. Alpern avec un coup de golf remet à ses propres défenseurs. 3-1 Montréal. Lui, c'est vraiment à le dire, là. Quand il reçoit un coup, il tend l'autre joue. Oui. Voilà Pouliot. Attaque de Pécanet. Entre à droite, arrive au cercle. Il lance, touche la tête encore. Et là, Rask est ébranlé. Il a du mal à se relever. Tuukka Rask vient de recevoir la troisième rondelle sur sa tête. Et je veux partager avec les auditeurs qu'il a encore tourné la tête et il a encore reçu la rondelle sur le côté du visage. Attaque des Browns qui avortent en plein centre de la patinoire. Alpern avec un coup de golf remet à ses propres défenseurs. 3-1 Montréal. Lui, c'est vraiment à le dire, là. Quand il reçoit un coup, il tend l'autre joue. Oui, voilà Pouliot.